Une magnifique intro. Bon, mais bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Burnout 3 Takedown, un jeu sorti sur la première Xbox. Donc, je vais vous expliquer. Je vais juste regarder d'abord si le micro est augmenté à fond avant de vous expliquer quelques petites choses à propos de cette vidéo. Donc, le niveau du micro est à fond, donc c'est parfait. Donc, une vidéo détente sur Burnout 3 Takedown sur la Xbox 360. Mais bon, c'est la rétrocompatibilité de certains jeux qui me permet ça. Donc ce jeu, bah, il sort en 2004 sur Xbox et PS2. Je sais pas si c'est GameCube ou pas. Enfin bref. Cette console, sur la Xbox 360, je voulais d'abord vous faire une vidéo détente d'un jeu en particulier. Mais bon, j'ai énormément de mal avec le Dazzle de recorder du 60 Hz. Donc je vous propose du Burnout 3, qui est à mon sens l'un des meilleurs jeux de course auxquels j'ai joué dans toute ma vie. Voilà, c'est un des meilleurs jeux de course, les mieux réalisés auxquels j'ai pu jouer. Bon. Donc on va aller faire des courses, bah, tout simplement. Et en même temps, bah, je dirais des conneries. Alors on est parti tout de suite. Crash FM de retour. Cette fois, je En vais Road poser un petit Rage, mur sur donc la toujours crise avec un sans animateur qui équipe nous et parle, c'est concentration assez sur les sympa, je portées trouve. d'armes. Allez-y Franchement, pour tranquille, l'époque, on ce se jeu, je trouve retrouve. vraiment très très réussi. Et puis voilà, et puis. Je sais pas du tout quand vous verrez cette vidéo, si c'est vendredi ou samedi, ça dépend quand j'arrive à la poster parce que j'ai pris énormément de retard pour vous la tourner. Yo, ici Voilà. Starman sur Crash FM. Il y a de grosses possibilités de crash et de takedown vers Donc là, on est en 90 mode squares. Road Le Rage meilleur qui pour les deux, consiste à la faire puissance des. impose. Enfin, Pour l'instant, takedown. il faut Des compter takedown, sur oui, vous en pour gros, rester cracher sur des Crash FM. adversaires dans un temps imparti, donc là, en l'occurrence, c'est 3 minutes, avant de se faire exploser sa caisse. Voilà. Donc ça commence très très bien. Bon, on n'est pas là non plus pour la performance, j'ai pas non plus un pro à ce jeu, je vais pas vous le cacher, hein. J'ai repris que récemment. Donc le but, c'est vraiment de foutre un maximum de voitures dans le décor. Même si là, je galère, mais dire mec qui a jamais joué au jeu. Alors que pourtant, sur la première Xbox, je l'ai fini à 3 millions de pourcents. Vous voyez, j'ai presque eu toutes les voitures spéciales et tout. Enfin bref, c'est pas une vidéo présentation, donc je vais pas tout vous parler non plus. Peut-être que je vous ferai une vidéo présentation avec le temps. Donc le but de ce mode Road Rage, c'est de faire là, en l'occurrence 12 takedowns en 3 minutes. Là j'ai perdu énormément de temps. Et si on ne réussit pas, ben on ne réussit pas quoi. Avant de se faire péter sa caisse aussi, je précise, parce que votre véhicule est destructible dans ce mode. Là je crois que je vais pouvoir recommencer. J'ai voulu vous expliquer, je me suis complètement loupé, donc je vais me concentrer un petit peu et vous laisser apprécier ce jeu qui est tout Crash simplement FM ben, de magnifique à retour. mon Les sens. nouveaux pilotes On sont est bien sur la sur les première pistes sur Xbox, les hein. tracés Pour vous dire qu'on balnéaires, est sur la mais les première grappes de Xbox, c'est l'Alpha que la Xbox sont balisés avec 360 des hurlements. n'a absolument rien changé au Le savoir des graphisme. dernières minutes, Voilà. c'est sur Crash FM. Donc là, je vais essayer de réussir quand même mieux que tout à l'heure. Pourquoi quand je fais une vidéo, je fais que de la merde? C'est assez hallucinant ça. Pas grave, on va pas rager, on est pour se détendre. Allez, casse-toi. Et je sais vraiment pas conduire, quoi. Voilà, double takedown. Donc à chaque fois qu'on takedown quelqu'un, on a une barre de nitro en plus. On est limité jusqu'à x4, qui est vraiment pas mal. Vous voyez, regarde, on a vraiment beaucoup de nitro. Et on en gagne en faisant du contresens, enfin plein de choses illégales entre parenthèses. Donc voilà, là pour l'instant je suis mieux parti que tout à l'heure. À chaque fois un petit ralenti, à chaque fois qu'on takedown quelqu'un, j'aime bien moi. Franchement pour moi, j'espère ne pas prendre de droits sur les musiques du jeu, je pense pas non plus. Donc bon, on verra bien, parce qu'il n'y a pas de musique connue quoi. Voilà, donc lui il m'a envoyé dans le mur. Et quand on est crashé, on peut faire avec le bouton A ralenti crash qui nous permet de faire des takedowns. Merci toi. Des takedowns en étant en mode chipété. À force de vous parler du jeu, je vais appeler ça une vidéo présentation au moins. Allez, pousse-toi de là toi. Boum. Alors des fois on a vraiment des crashs buggés dans le sens qu'on les aura n'importe où. C'est assez marrant. Oh putain, toi j'ai ta war toi. C'est soit lui, soit c'était moi qui me bouffais là. Donc voilà, là je freine comme un con alors qu'il faut vraiment pas. Voilà. Super série takedown. Là on fout la nitro à fond. Dégage. Je l'ai même pas touché. Mais bon, si tu veux. Takedown, quand on lui fout la pression un petit peu et qu'il part dans le décor, ça nous permet de faire un takedown, j'ai un peu. Voilà, là je me suis pris un slam, les trucs que vous voyez un petit peu, ça pète ma voiture et au fur et à mesure, ben. Tout simplement comme ça, ben on n'a plus de voiture. Et le but, même qu'on perde le temps, enfin si on perd
cause de notre voiture qui est pété, on perdra pas les techniques qu'on a fait, donc là je suis sûr d'avoir l'or quoi, c'est. Et là. Hop. Enfin bon, je vais pas tout non plus vous dire, hein. Je vais vraiment vous... On sera vraiment une vidéo de détente, donc on va se mettre bien. Toi, je t'ai loupé, t'as de la chance. Toi, toi t'es mort, toi. Dégage, dégage, dégage. Putain, dégâts maximum, voilà. Là, si je me prends un mur, je suis mort. Enfin, si je me crache, je suis mort. Mais bon, il a pas dégagé. Ouh, putain, t'es mort, t'es mort, t'es mort. MORT, le zombie, MORT. Ok, ok, je suis n'importe quoi. Ça y est, c'est la fête. Bon, tu meurs ou... Mais il est en faux, lui, hein. Oui, dans le décor, moi. Ouh. Calmez, là. Putain. Allez, allez, dégagez. Dégage. Voilà, dans ta mère. Voilà, là, je peux dire n'importe quelle connerie dans la vidéo de tente. Voilà. Toi, tu me pousses, t'es mort. Allez, dégage. Ah, ben, moi aussi, je dégage, je veux dire. Bon, ben, voilà. 18 takedown, je crois. Ouais, 18 takedown. Et on va gagner un score et des takedown qu'on... qui s'accumuleront et qu'on pourra débloquer des voitures ou deux toitures. Voilà. Vous voyez là le compteur de points et les compteurs tech down. Bon. Et bien cette course, enfin, ce roi de rage, il était pas mal. Ah, parfait. Alors là, on va contrôler une Formule 1. On va devoir faire un temps sur une épreuve spéciale, comme ils appellent ça. Sur un circuit, on devra faire tant de temps. Et les Formule 1, c'est vraiment pas mon truc. J'appelle cette voiture une savonnette. Voilà. Hein? Non, pas de coup d'Esti. Allez, c'est parti. Putain. Je vais me concentrer un peu quand même. Parce que c'est... La vidéo détente, mais c'est ma partie, hein. Pas envie non plus avoir envie de tout foirer, hein. Même si j'ai fait ça au roi de... Même si c'est la première fois que je fais ça, mais... Je sens que ça va pas être fameux, hein. Putain, j'ai failli me prendre un camion, j'ai de la chance, là. Vous voyez, c'est la chance du guêche, là. Ça veut dire que j'ai pas le droit de me cracher, là. Putain, j'ai encore de la chance, c'est... Oui, là j'ai fait de chance au contraire, j'ai le boost à fond. Là on est pas mal, là on est pas mal. Je me souviens plus des tracés depuis l'Xbox, hein. Faut pas croire. Je suis pas Chuck Norris, moi. Je me fais un mur. Je suis pas encore mort là. Ça ne saurait tarder à mon avis. Ça ne saurait tarder. Oh putain. Oh, j'ai plus de nitro là. On va l'économiser un peu peut-être. Oh putain. On dirait, je m'en rappelle comme si c'était hier, tiens. Ouh là là. Ouh là, on est bon franchement là. Allez, accélère. Ouh le pont. Ouh là là, la belle droite. Allez. Record du monde là. L'air de la montagne, ça... Je crois que c'était des... Bon. Allez, allez, je sais... Voilà, j'ai perdu 10 secondes, bravo. Et j'étais bon là franchement. Allez, allez. On est bientôt au bout, si je me souviens bien. Juste après. Allez. Si je me crache, je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os, même si je me crache pas, à mon avis. Oh, putain. Non, 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 on est bon, franchement, là. Non, 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 mais on était bon, là. Bon, ben, tant pis. Vous, au moins, vous avez vu ce que c'est... vous voyez comme c'est chaud. Eh, vous voyez ce que c'est une épreuve spéciale. Je me suis craché, je l'ai dans l'os. Voilà. Donc, voici les épreuves spéciales, ce que c'est. C'est assez compliqué, quand même. Bon, c'est pas pour moi, parce que Formule 1, déjà, j'aime pas beaucoup. Or, si en plus, on est timé, eh ben, on est dans la merde. Bon, nouvelle course. Vous êtes branché sur Crash. Donc là, je vais pas faire la course, celle-là, parce qu'on a déjà fait le circuit, ben, juste avant, c'est le même circuit. Donc bon, on va prendre celle-là. La route n'est pas qu'un paradis pour les pilotes. Eh non, elle relie aussi Alpine à la côte. Ce qui veut dire gros trafic. Et même si c'est pas gênant d'habitude, il faut faire gaffe au chargement. Bon, je vous laisse des fois écouter un petit peu les voix quand même. Enfin, la voix du commentateur, enfin de l'animateur radio, parce que j'aime vraiment. J'aime vraiment. Des fois, il dit des conneries. C'est abusé. BOM! Attention, attention Atomical. C'est parti! Allez, bon, là, c'est une course normale, donc on a pas de tour sur celle-là, vu que c'est une sorte de sprint si on était dans sur speed. Donc voilà. Là, c'est vraiment le talent, on va dire, qui compte beaucoup. C'est pas des takedowns. Enfin, les takedowns, on peut en faire, hein. Eh. On peut faire des takedowns, mais ça compte pas réellement. Ok. Alors, toi, tu me cherches! Oh putain! Oh putain! Oh, je suis énervé, là. Voilà. Dégage, allez, oust, voilà. Vous allez voir ce que c'est un gâche énervé, là. Regardez-moi ce talent, un peu. Est-ce que je suis bon, là? Regardez-moi ça. Je suis en 2-2, cette course, moi. Allez. Hop, on passe en sens contraire parce qu'on est grosse bite ici. Je peux dire bitch, je m'en fous.
Ok. Voilà, voilà. Là, je me chauffais un petit peu, hein. Voilà, bon, ouais. Je suis nul, hein. Je suis une grosse merde. Allez, dégage-toi. Allez, pas que ça à faire. Allez, oust. Allez, pou. Oust, voilà. Avec de magnifiques musiques qui sont très bien choisies dans le jeu, je trouve. Bon, évidemment, vous dites, quand je dis chibon et tout, c'est des conneries, hein. C'est de l'humour, hein. Je suis une grosse loutre à ce... Regardez, regardez, vous avez... Je dis que je suis bon, je me prends des murs, j'arrive pas à tourner, je vais prendre une voiture dans un instant. Ça va être magnifique. Oh putain. Ouh, voilà, un mur dans le cul, hein, voilà. Là, je tourne trop tôt, je vais prendre une voiture, deux taxis, combo, là. Bon. Et poussez-moi en plus, vas-y, hein. Ma caisse est pas assez pétée à croire. Voilà, j'ai plus de nitro, je vais... Mais mes roules, là. Aussi, on a une vue première personne, mais bon, hein, pas mon truc. Allez. Voilà, merci beaucoup. Déjà, je vais pas vite. Il me take down, lui. Allez. Putain, je prends ton inspiration. Enfoiré, va. Dégage. Dégage. Voilà, oust. Casse-toi. Voilà, lui, rentrer dans. C'est parfait. On va gagner beaucoup de temps, là. Enfin, on va gagner de l'avance, plutôt. Bravo! Magnifique! Magnifique! Franchement, je suis bon là! Putain, mais n'importe quoi! Les gens vont croire qu'il y a du décalage de ce que je viens de dire. Je dis je suis bon et je me crache quoi. Bon. En plus, je crois que la ligne d'arrivée est juste après ce virage. Oh non, c'est bon. Vas-y, go, 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 go! On n'a pas le temps là. Oui, allez, ça sent. Oh, je connais le tracé en plus. Je connais bien là, je connais bien. Sur la première Xbox, j'y arrivais jamais à ce virage. Non, pas celui-là, l'autre qui va arriver dans pas longtemps. Oh putain. Voilà, celui-là. J'y arrivais jamais sur le coup de chez les murs avant. Maintenant, j'y arrive bien. Mais... Enfin, bien. Bon, vous voyez, c'est arcade. On se prend un mur, on a rien quoi. C'est vraiment. Bon, c'était pas mal. Là. Alors, j'ai reçu un message sur Skype. Excuse-moi de regarder. Ah, bah, salut à toi, Dimitri, si tu regardes cette vidéo. Tu passeras dedans. Voilà. Dédicace à toi. Bon, alors. Voilà, deux épreuves débloquées. On gagne des épreuves à chaque fois qu'on finit une course généralement. Excusez-moi si je clique un peu partout, c'est une vidéo détente. Donc bon. Voilà. Dédicace à Dimitri sur sa chambre encore une fois. Et bon, puis voilà. J'espère pas bouffer un droit comme toi sur cette vidéo à cause des musiques du jeu. Ou nouvelle épreuve spéciale qu'on ne va pas faire parce que les épreuves spéciales j'aime pas du tout. Moi, faire un tour limité en temps, ça m'énerve, vous voyez. Bon. Allez. Oh putain, ça on va le faire. Voilà. Alors là, ça s'appelle... enfin, un truc crash, je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Peut-être que ça va nous mettre. Le but du jeu, c'est de créer le plus de dégâts. Alors, en gros, on y va avec la voiture, on a des bonus, des multiplicateurs, des trucs qui donnent plus de sous. Un nitro, et au bout de 10, enfin ça dépend des épreuves, mais au bout d'un certain nombre de voitures qui se cognent entre elles, on peut exploser notre voiture, et on doit faire le maximum de points pour avoir la médaille d'or. Voilà. Et on gagne des véhicules, bien évidemment. Allez, c'est parti. Ouh là là. Voilà, les petits bonus d'argent qui sont là. J'en ai loupé un. Voilà, regardez. Hop, il y a une fois deux là-bas, on va essayer d'aller récupérer dès qu'on pourra exploser. Si on ne pose pas... Bon allez, laisse tomber. Parce que, ouais, je sens pas du tout là. On aurait pu presque ramasser x2. Bon, je pense pas que ça fasse... ça compte beaucoup de points là. Voilà. Vous voyez, j'aurais eu x2, j'aurais eu la médaille d'or là. C'est limite, il faut ramasser pas mal de... Enfin, pratiquement tous les bonus pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc voilà, nouvelle épreuve débloquée, on va juste la réessayer parce que médaille de bronze on va pas rester là. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas, hein, parce que je parle, mais voilà, c'est d'abord pour vous, et puis parce que ça me fait plaisir, je voulais vous en faire une depuis longtemps, donc là c'est l'occasion, on peut dire des conneries. Allez, voilà, nitro, tu vas voir, on va te la mettre dans le cul ta mère. Oh putain. Non, si je parle là c'est mort le x2. Ok, il y avait un mur invisible, non mais il faut que je reste sur le côté. Bon allez, laisse tomber, le x2 c'est encore pourri. Je peux recommencer.
Franchement, je me concentre sur le x2. Sinon, c'est mort, c'est mort. Sinon, Voici ma théorie ce qu'on du peut chaos. faire, mais on n'aura pas la nitro, c'est tu passes à côté de la nitro, mais on la prend pas. Ouais, c'est. Ouais, si on prend pas la nitro, on pourra pas aller. Ouais, ok, laisse tomber. On va prendre la nitro, d'accord? Parce que c'est beaucoup mieux. Hop là, hop là. Voilà, regardez, je l'atterris quoi. Tu veux, j'aille où là? Et je vais ramasser le x2 là. Hein. N'importe quoi. Ouais, j'ai encore foiré. Bon, ben, on va rester sur la médaille de bronze, tant pis. C'est juste que j'ai pas envie non plus de passer une heure là-dessus. Hein. Voilà, médaille de bronze, c'est nul. On s'en fout. Allez, on se casse. Parce que là, ça fait peur, voyez-vous? Ouais, continue si tu veux. Allez, continue ce que tu veux. Rien à faire, moi. Easy to Les get Européens sont you. des fous du Allez, volant. on va faire encore deux comme ça et on s'arrêtera là. Voilà, je m'excuse pour la durée de la vidéo. C'est juste que voilà quoi, enfin, je fais ce que je veux, hein. Les Non, Européens sont non, des je vais fous faire du une. Non, volant. mais voilà. Hein. C'est juste que je suis un petit peu fatigué, il est un peu tard et puis voilà. Excusez-moi. Bon. Alors, on a mis trop là. Ok, bon. Ramasser le pognon. Et on va tuer personne. Tout le monde s'en bat les steaks, littéralement. Voilà. Ok, j'arrive à faire. Ok, laisse tomber, il y a des arbres partout. Ok. Mais franchement, vous voyez, les trucs comme ça, j'aime pas du tout, des fois, parce que c'est n'importe quoi. C'est limite d'avoir de la chance au début pour pouvoir. Enfin, à force de le faire, vous le connaissez, quoi. C'est limite ça. Bon, allez. Hop là. On va faire une petite course, tiens. Allez. J'ai pas envie de finir sur n'importe quoi. On va faire une petite course. Une épreuve spéciale, tiens. Allez. On est chaud. Pour vous montrer un petit peu les voitures. Enfin, parce qu'il y a pas mal de voitures, hein, faut pas croire. Une épreuve spéciale. Vous êtes sur Crash Non. FM. Si je... Petit conseil Ouais, touristique, épreuve spéciale, vous on a qui découvrez Winter la sport City, type le 1, fameux parfait. fameux. On va faire ça et on s'arrêtera là après. Voilà. En espérant, pardon, que ça vous ait plu. Parce que franchement, ce jeu, il est énorme. Je vous conseille vraiment d'acheter si vous avez Nous une revoilà sur Xbox Crash FM, 360 dans ou cette une belle ville Xbox de glace. première, du nom. Imprégnez-vous de l'atmosphère, car Pas cet la endroit a Xbox One, une la, vraiment histoire. la première du Petite monde, hein. remarque, ses Enfin, du habitations monde. sont en Que pierre, Xbox et que encore le Microsoft a nouveau fait. caisse ne sera plus qu'une carcasse Et en puis bois. voilà. Apprécié. J'ai pas trop parlé. Donc voilà, là on est à fond là. Et on va pas trop parler mais je gueule, voilà. Une vidéo détente, hein, c'est pas une vidéo découverte ni rien. C'est une vidéo détente, voilà, je me suis fait péter l'anus, mais littéralement. Un petit flip arrière, c'est magnifique. Voilà, donc on a 54 secondes pour faire un tour de ce circuit. Bon, le circuit est pas. C'est. Pardon. C'est vraiment tentable, j'ai envie de dire, largement. J'ai déjà fait en course normale. Mais là on est en vidéo donc je vais tout foirer. Voilà. Voilà, déjà j'ai foiré mon virage, mais total. Voilà, il faut arriver jusqu'en bas, mais là je pourrais pas, j'aurais pas le temps. À cause du crash, vous voyez, c'est pas loin. Hein. Voilà, c'est là. Vous voyez, j'ai eu. Putain, je me suis. Bon allez. Merde. Bon ben tant pis. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo détente de Burnout 3 Tech Done, que je conseille vraiment à tout le monde même. Pour ceux ben, qui ont peur d'être déçus, mais franchement avec cette vidéo, faites-vous un avis. J'espère que la vidéo détente vous aura plu en attendant. Et moi je vous dis bye et à la prochaine. Salut tout le monde.